Bonjour à tous, c'est Pipa et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le Midland Ranch en Law, donc la première mission de Gemma qui nous amène au cœur du Texas. Donc après avoir vu la partie discrète, il est temps de reparler de cette ferme mais en version Law. Donc pour rappel, cette mission a la particularité d'avoir deux gros objectifs qui peuvent être faits dans n'importe quel ordre et on va aujourd'hui regarder toutes les astuces pour que vous puissiez le réussir en Death Sentence, peu importe votre route. J'en profiterai aussi d'ailleurs pour vous donner ma route favorite en vous expliquant pourquoi. Donc commençons par parler du pré-planning, donc, qui là aussi va grandement influencer votre mission, surtout si vous décidez de commencer par les armes. En vérité, vous allez vite comprendre que commencer par le côté gauche n'est pas intéressant car il va falloir revenir en arrière pour sécuriser sur le bateau, ce qui est contraire à ce que je vous enseigne en discret principalement. Cette marche en avant. Sauf si vous prenez l'asset du Fulton, donc, qui est un système de récupération sol-air qui permet de sécuriser vos sacs tranquillement dans le stand de tir, voilà, qui est généralement l'endroit le plus safe. Et du coup, ensuite faire l'objectif suivant. Donc à vous de voir, mais je rappelle que le Fulton coûte 6 faveurs, ce qui vous empêchera de prendre à la fois les caisses marquées et les caisses supplémentaires pour les routes extra. Donc du coup, si vous décidez de commencer à gauche, sachez qu'il y a de grandes chances que vous ne fassiez pas le loot. Donc pour résumer, voilà, si vous décidez de partir à gauche au début, voilà, vous prenez le Fulton, les caisses extra pour avoir le max de loot. Et si vous commencez par l'autre côté, vous prenez les caisses marquées et les extra weapon parts pour gagner du temps. Donc commencez par le côté droit et donc plus intéressant pour vous si vous souhaitez faire le haul. Pour finir, donc concernant les armes et le build, donc la map reste tout de même assez ouverte car vous resterez peu de temps dans le ranch d'Esteban et vous aurez pas mal de sacs à déplacer à l'extérieur, peu importe d'ailleurs, peu importe votre route. Donc je recommande des armes à longue portée quand même, mais aussi qu'un des joueurs puisse défendre en close combat, notamment lorsqu'il défendra les perceuses. Donc préparez-vous bien et cette map sera assez abordable pour vous. Allez, petite ellipse, on se retrouve maintenant dans la mission. Et donc on est parti pour le heist, et d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, mais ça sera donc mon 100e que j'ai fait avec Tamichi tout à l'heure, donc vous verrez. Donc une map qui me plaît vraiment énormément, tout ça encore une fois pour vous réaliser un tutoriel complet que vous ne verrez d'ailleurs nulle part ailleurs, puisque je dois être un des seuls à avoir 100 fois ce casse en Death Sentence. Donc on va commencer la mission en partant à droite, donc la route que je vous ai conseillée. Vous allez croiser donc comme à chaque fois un seul garde et où je vais vous recommander de commencer la mission en discret au début, même avec un build de 75 détection, pour essayer de faire le premier objectif de la mission et réussir à diminuer la durée de la mission de 2-3 minutes d'assaut, ce qui est toujours bon à prendre. Pour rappel, le premier objectif consiste simplement à trouver le bureau d'Esteban qui peut se trouver à deux positions et être ouvert soit avec la keycard ici, soit avec le code juste là. Si jamais vous ne vous rappelez pas des positions, je vous invite à revoir ma vidéo en discret sur cette mission pour vous en rappeler. Si jamais l'assaut démarre avant, bien il faudra poser une longue perceuse, donc un objectif qui sera assez pénible. D'ailleurs, ça me rappelle un autre objectif que je déteste, qui est le piratage du premier PC de Dragon Heist. En fait, c'est le genre d'objectif en début de mission qui casse le rythme et qui ne donne pas envie. Donc, essayez de le passer si possible. Une fois le bureau ouvert, donc vous récupérez le PC, il faudra ensuite aller dans la salle des serveurs qui est dans l'autre pièce où vous devrez décrypter le PC lors d'un mini-hack. Donc ici vous êtes dans un terrain bien favorable pour vous car les ennemis vont avoir bien du mal dans ce ranch labyrinthique à vous dénicher. Donc essayez de défendre le boîtier du courant, donc qui est ici si jamais vous avez cette porte là, et qui est à l'extérieur si jamais vous avez l'autre, et l'objectif se finira très vite. La suite, elle se complexifie, puisque la fameuse porte qui suit, donc la porte qui mène à la suite, doit être ouverte pour accéder à l'autre objectif, et c'est une différence majeure entre d'ailleurs les deux choix de route. Si jamais on avait pris l'autre côté, nous n'aurions qu'un simple C4 pour passer, alors qu'avec notre route, nous allons devoir réaliser un objectif dehors qui n'est pas forcément évident au vu du manque de cover. Donc l'objectif en question en fait consiste simplement à déplacer à deux reprises la voiture puis à installer un câble pour tracter la porte avec le pick-up. Donc concernant la défense, Overkill ne vous a pas laissé en pleine nature et était plutôt gentil en installant voilà, ces deux petites cabanes où vous allez pouvoir vous cacher dedans pour temporiser, recharger et défendre l'objectif à distance. Donc sachez aussi qu'il existe une technique de repli ultime, je l'appellerai, qui est juste ici avec la planche, et que si jamais voilà, vous faites trop déborder et que vous voulez fuir pour disperser l'assaut, vous aurez ce petit terrain avec plein de bottes de foin qui sera assez sympa pour vous cacher.
Et on arrive enfin à l'atelier, la zone finale. Donc avec un objectif assez marrant pour une fois, il faut créer vos propres sacs. Et pour cela, vous allez devoir assembler des parties d'armes ensemble pour créer un prototype d'arme. Personnellement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un objectif loud aussi intéressant. Me payant souvent voilà, des objectifs qui sont souvent primaires, en mode perceuse, arc, attente, blabla. Donc là, vraiment, ils ont innové avec celui-ci. Mais alors, comment s'en sortir en plein assaut, on va dire, contrairement au discret où vous avez vu la méthode. Et bien, donc en tout, il y a trois ranges, donc qui contiennent des armes toutes faites et des parties d'armes, ainsi que votre pied de biche, ne l'oublions pas. Donc, dans le range de gauche, vous aurez au total 6 boxes. 6 boxes à ouvrir, qui ressemblent à ceci, mais pas de table de craft, pas d'établi. Dans le range du milieu, vous aurez 5 boxes cette fois-ci, donc 3 de ce côté-là, 2 de ce côté-ci, et vous aurez 2 établis, comme ceci. Vraiment, généralement, voilà, c'est celui que je vous recommanderai en priorité, puisque vous aurez de quoi crafter pas mal d'armes. Et dans le dernier, vous aurez seulement 4 box, donc 2 ici, 2 là, et un établi. Donc vous l'aurez compris, clairement, voilà, le hangar, le meilleur, reste celui du milieu, et en plus de cela, il y a des couvertures avec des étages, comme vous voyez, en fait, à chaque fois, il y a ces petits étages, il y en a 1, 2 avec l'échelle ici, et 3 juste là-haut, qui sont des étages où les ennemis vont avoir énormément de mal à vous dénicher, donc ce sera une bonne planque pour vous, quoi. Donc du coup, en plus, si vous prenez le Fulton, clairement, dans la cour de tir, comme je vous ai dit, ou bien que vous sécurisez en bateau, dans tous les cas, vous devrez passer par ce range du milieu pour y planquer vos armes. On en reparlera juste après. Donc là-dedans, vous ne trouverez pas assez pour faire vos 8 armes, donc il faudra choisir un deuxième range, et le deuxième que je choisis est celui de droite. Ça peut paraître bête, mais au final, entre les deux, la grande différence qui va se passer, c'est que le hangar de droite, vous allez devrez à tout prix le visiter pour poser les C4. Donc ça, c'est vous n'aurez pas de choix. Pardon. Donc vous serez obligé de poser celui-ci, vous récupérez donc de quoi fabriquer les dernières armes et les armes toutes faites pour arriver à 8. Le prochain conseil, et qui concerne les grandes équipes, est de faire très attention au placement de vos coéquipiers et de ne pas trop se séparer et surtout communiquer. En fait, il faut que vous puissiez savoir les couleurs des objets que vous avez. Il y a trois couleurs, donc le bleu, le rouge et le vert pour assembler les armes. Donc il faut vraiment que vous puissiez communiquer pour savoir qui va prendre quoi, qui y manque quoi et ainsi de suite. En plus aussi savoir qui perce où, qui va où. En fait, si vous ne le faites pas, vous devrez rester plus qu'un assaut dans la zone et ça va vraiment devenir compliqué pour vous. Le dernier conseil pour ceux qui prendront la sécurisation de base, eh bien ça concerne la sécurisation des sacs. Donc en fait, il existe une tyrolienne qui est juste ici, que vous pourrez placer et qui envoie les sacs quasiment à la fin de la mission, jusqu'au bout. Et vous gagnerez ainsi beaucoup de temps et vous n'aurez que quelques mètres à parcourir, en vous aidant du kart d'ailleurs, qui est assez utile pour sécuriser vos sacs avec juste deux petits allers-retours. Donc si vous suivez tous ces conseils vraiment dans cette partie, que vous commencez donc comme j'ai dit, si vous commencez entre guillemets au milieu, que vous amenez les sacs soit au Fulton, soit de l'autre côté, que vous finissez les sacs avec ici, vraiment vous pourrez rester le moins de temps possible à l'extérieur et en parlant à vos coéquipiers, tout devrait bien se passer. Et enfin, donc une fois que vous avez envoyé soit vos sacs ici, soit de l'autre côté, il suffira de passer par là, donc la zone qui est juste ici, en prenant voilà, donc comme soit le kart, soit vous le faites à l'ancienne. Et vous rejoindrez l'autre porte que vous n'avez pas choisie au début. Un simple clic, elle s'ouvre et vous pourrez rejoindre le bateau. Donc la mission, en fait, n'étant pas en assaut infini, vous pourrez d'ailleurs vous cacher dans ce mini-port qui est juste ici, en surveillant les derniers sacs voilà, que vous n'auriez pas sécurisés. Et en attendant, rapidement, voilà, les deux spawns d'ennemis qu'il faut surveiller, c'est ici et ici. Donc vous pouvez rester dans ce mini-port. J'évoquerai rapidement le sujet des US Marshall, donc cette nouvelle unité qui est apparue avec ce casque, même s'il semble menaçant avec sa lumière blanche et son nombre de points de vie, sachez qu'il reste assez statique en se déplaçant lentement et que sa grande particularité est qu'il loupera toujours sa première balle. Donc ça vous alertera ainsi de sa présence avec son rayon orangé. Donc éliminez-le rapidement avant qu'il se positionne parmi l'assaut et qu'en devienne une petite menace. Donc voilà, donc ça sera tout pour la partie tuto. C'est vraiment une mission que j'apprécie particulièrement. Voilà, comme je l'ai dit dans les vidéos review, j'ai hâte de voir la suite de cet arc. Donc on se retrouve maintenant pour la partie gameplay avec Temishi, donc un joueur streamer qui fait ses premiers pas en Descendants et que je surveille. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à mettre un commentaire. Vous savez que je réponds à tout. N'hésitez pas à me rejoindre en live pour discuter de tout et rien avec les autres joueurs avec qui je joue souvent. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite un bon marquage à tous et à bientôt. Je suppose que je vais te laisser faire en grosse partie les objectifs. Ça dépend, tu joues quoi comme build en fait?
Là, je joue un build. Non, J'ai pas tout ce qui va être perceuse et compagnie, si c'est ça que tu veux savoir. non, non, mais pas besoin, c'est juste au niveau des armes, ouais, t'as pris. Arme, je suis en Akimbo avec un lance-grenade. Ok. Et m'aide en secondaire. Donc on va essayer au début de faire en discret du coup le premier mini objectif et ensuite c'est parti quoi. Et puis de toute façon on verra bien ce que ça donne. Et là oui avec 4 sacs de med oui, ça devrait aller quoi. Du coup toi t'as l'habitude de commencer par le côté gauche ou le côté droit toi? Du coup, en fait, j'ai train côté droit. Ouais, mais moi aussi je reste très souvent côté droit, même quand on soit indiscret ou pas. En fait, je reste côté droit quoi. Bon, moi j'aime bien quoi. Attends, normalement. Attends. Ah, il bouge. Il bouge plus au moment où je dis ça. Moi j'aime bien côté droit parce que, en fait, que ce soit indiscret ou en out en fait. Hein. Parce que moi, l'objectif, en fait, tu vas dans le bon sens, quoi. Tu fais pas. Alors, bon, on va essayer. Donc, toi, t'as combien de discrétion, toi? Tu as 10, je crois. Oh, bon, ça va. Ok. Bon, bah, ça au moins, c'est fait. Allez! Bon, bah, tu meurs, désolé, mais. Hop, donc j'ai la keycard, j'ai pas le code ici, attention au civil. Allez, parfait. Voilà, au moins on a le premier objectif. Donc là, tu peux lancer l'assaut si tu veux. On va lancer direct l'assaut. Allez. Il faut aller chercher le téléphone du coup. Le téléphone. J'y vais. L'ordinateur Le portable. que tu avais tout à l'heure. Attends, il faut que tu m'aides à tuer un garde là, qui est sur moi. Ah, j'arrive. Est-ce qu'il va me voir? Ah non, il m'ouvre la porte. Alors ça, c'est pratique ça. C'est nice. Ah non, mais c'est bon, en fait, c'est moi qui. Oui, non, il faut que tu m'amènes le PC. Hein. Voilà, c'est bon, il est Ah, tu l'as là. amené. Hop. Allez, hop, au moins, on lance le piratage. Voilà, rien que de fait d'avoir fait cette phase là, c'est 3 minutes d'assaut en moins. Hein, donc. C'est clair. Là, il faut juste attendre ici. On va faire nos convertis dès qu'ils vont apparaître. Le spawn est ici, là, généralement, là. Juste là, derrière la rambarde, là. On va pouvoir tranquillement temporiser. Un civil. Moi j'ai Hostage Taker donc en vrai je vais me prendre un converti. Enfin un otage. Toujours personne là, ouais. Ah ça y est. Combien de temps il reste? 5 secondes. Allez hop, je prends le PC et ensuite on va déjà au prochain objectif. Allez go. La porte est fermée, j'en étais sûr. En plus, sur l'assaut n'a même pas démarré quoi. Comme quoi, c'est vraiment surpuissant cette technique quoi. L'assaut n'a pas démarré, qu'on est déjà en train d'aller vers l'objectif final de la mission quoi. C'est clair. Ah ok, il y a des ennemis par contre ici quoi. Qui se fait cloque, c'est toi? Non, non, il a pas eu le temps. Ok, aussi, il m'a cloque en fait. À 30 km. C'est marrant ça. Ouais. Ok, deuxième converti. Oh là là, le nombre d'ennemis qu'il y avait là. Il y avait une concentration d'ennemis. Hop, si tu peux me soigner vite fait. Allez hop, tac. Bon là il va y avoir beaucoup d'ennemis de l'autre côté. Je les entends là, ils sont prêts. D'accord. Donc prépare-toi. J'ai même envie de mettre du gaz déjà, tu vois, je mets déjà du gaz. Du coup je te laisse aller dans l'hangar de droite, moi je vais aller à l'hangar central. Ça marche. Allez hop.
J'ai un pied de biche. Voilà, et tu mets les drills de partout en priorité, quoi. D'accord, ça marche. Ensuite, tu ouvres la porte qui est près de chez toi. Hop. Et on regardera si on a le C4 dedans ou pas. Hop, hop. Donc là, ce qui est bien, c'est que l'assaut, en fait, en faisant ça, l'assaut, il est encore dans la première zone, là. Ouais. Donc, du coup, on aura normalement assez peu d'ennemis, quoi. Donc là, j'ai une arme, là, j'ai un truc. Là, attention, des ennemis un peu partout. Là, j'ai des armes, j'ai pas mal d'armes toutes faites, on dirait. Là, y a rien. Voilà, toi, j'espère que tu auras de quoi crafter quelques armes. Ah, c'est toi qui as le C4, hein. Donc c'est toi qui dois ouvrir la porte, comme on avait vu. Là. D'accord. La porte qui est à côté de toi, tu dois l'ouvrir et récupérer les C4. Donc moi, je crafte ma deuxième arme. Toi, t'en es où, toi? Je suis en train de gérer un assaut chez moi. C'est vrai que toi, tu dois avoir quand même pas mal de monde. Je vais essayer de t'aider à distance. J'ai un vert. J'ai un bleu. Tiens. Rouge. Ok, j'ai l'arme numéro 3 qui est prête. Il va me falloir un rouge qui est là. Ok, j'ai l'arme numéro 4 qui est prête. C'est vrai que moi j'ai aucun ennemi quoi, mais vraiment il n'y a personne quoi. Donc, ah ça y est. L'assaut débarque. Ok, j'ai l'arme numéro 5. Sinex se fait taser à mort, c'est dommage. Bon là normalement je vais pouvoir faire mon premier craft. Ok, donc t'as l'arme numéro 6. Alors là j'ai. Ouais j'ai pris là. Hop, j'ai un bleu. Ah, j'en avais déjà pris. Oh, le nul. Il me faut un rouge, ok. Donc là, j'ai une valise là. J'ai une valise. Allez, prends ta valise et tu peux y aller ensuite. Tu peux aller là où il y a toutes les armes. Ah, attends. Pote, t'as mis tes sacs, c'est ça? Non. Mais qu'est-ce que... Jacketto, qu'est-ce que tu fous? Bon tiens, je t'ai mis une arme ici, là. Ouais, et toi tu vas pouvoir commencer à lancer les sacs à la tyrolienne après. Mais pas de suite, hein, pas de suite. Attends un tout petit peu. Ouais. Commence à monter les sacs à l'étage. Au moins tu me montes, tu me compteras en même temps les sacs pour savoir s'il en manque. Ok, là il y a les ennemis qui arrivent, je vais pas passer par là. Ah mince. Est-ce que je me liche ou pas? Ouais, on va se liche. Non mais je me liche. Juste pour tomber, je veux pas tomber ici quoi. Tu viendras me soigner mais... Allez, j'arrive près de toi. Voilà. Alors, t'as compté les sacs, il y en a combien en haut pour l'instant? T'en 5. Il y en a 5 à l'étage en haut là? Ouais. Allez, bah on va commencer les envoyer. Je vérifie. Donc il en manquerait un, tu penses? 5. Non, pardon. 5, 6, 7. Et le dernier, que t'as 8. C'est bon. Ok, bon bah c'est bon. Allez hop. Donc maintenant, plus qu'à couvrir ici avec du gaz. Ça, je vais m'en occuper moi. Je te laisse, hop, toi tranquillement. Attends, je vais mettre plutôt ici, je préfère cette position. Je vais poser mon sac de med. Plus qu'à couvrir du gaz et j'attends ton signal quand tu me diras qu'on a tout envoyé quoi. Yamas. Voilà, parfait.
tu vas me soigner. J'ai deux sacs de med, mais je vais pas le poser maintenant. Il m'en reste un. Ouais, mais je le garderai pour la suite en fait. Quitte à me liche avec un sac de soins. Hop, il y a un dozer, il va sûrement arriver à l'étage. Je fais du tir de suppression. Il me reste encore mes deux convertis. Oh, encore deux sacs. Il y a un bulldozer qui t'arrivera dessus, je ne pourrai rien y faire. Ça marche, pas de souci. Faut que tu le tues vite fait. J'active Bullet Storm, là c'est plutôt pratique. Ah, un autre dozer. Le dernier a été lancé. Allez hop, eh ben, dès que t'as ton... Ah mais non, toi t'as pas de perk toi. Ok, donc il va falloir que tu fasses un saut et que tu cours le plus vite possible. Quand tu veux, maintenant. Allez, go, bon. on y va, vas-y. Je te soignerai. Allez hop, on avance. Attends avant d'ouvrir parce que ça va activer les spawns de l'autre côté. 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Ok, on peut pas mettre plus ? Non, on peut mettre que 4. Mais vas-y, prends le kart et commence à avancer, ouais. Toi. Ça marche. Si t'arrives à conduire, mais normalement. Je ne doute pas. J'ai de la merde. Ah. Ça c'est. Attends, j'ai remis le sac, t'inquiète. Ça marche. Voilà, par contre, les ennemis arrivent en masse à l'arrière. J'ai plus de convertis. Et c'est donc bien le noir et blanc, ce que je m'en doutais. Donc, bah écoute, je pose un sac de soins ici, t'inquiète. Je peux pas. Ah bah oui, je suis en 6, d'accord, ok. Faut que je me reset, tout de suite. Ouais. Du coup, t'as posé un sac de soins. Allez, hop. Ouais. C'est pas... J'ai pas pu me reset, je suis en... Ah si, c'est bon, ok. Pile poil, ok. Allez, c'est possible... Voilà, on va mettre un convert à l'arrière. Alors attends, pas mal d'ennemis devant, là. On va essayer de contrôler un peu la zone. Je peux, ouais. Viens de planquer dans la petite ici, la petite planque ici là, très très bien, marche. Très pratique. Hop. On va essayer de, je vais essayer de refaire un converti. Ah, mon converti. Ok, il y a un dozer. Ok, les ennemis sont juste là en fait, ils sont pas très loin. Est-ce que tu peux le tuer le dozer toi peut-être? Oula, noir et blanc, attention. Et je suis tasé, je suis en tôle. T'es en tôle? Ah. Il m'a tasé avant que je puisse... Ouais, ça se complique pour moi. Ou pas. Enfin, si, ça se complique parce que je ne peux pas tuer les deux heures, moi. Hop. Ah oui, c'est vrai que t'avais dit que ton gaz n'était pas assez. Enfin, était. En fait, c'est le problème de mon gaz, en fait. Je ne trop pas trop léger, en fait, pour les deux heures. Alors, hop, on va te libérer instantanément. Oh non! Ah, je sais qui c'est l'otage, c'est celui que j'ai fait au début, c'est ça. Bon, je ne pourrais donc pas... Ouais, vers le point de le point des valises, là. Ouais, je vois où il est, là. Mais du coup, c'est mort. Malheureusement, là... Moi je l'ai vu en fait, hein, mais je me suis dit que ça passait largement. Mais... Je me suis demandé si je venais en ex-président ou en liche, tu vois, je savais pas trop. Oh, mais c'est bien, t'inquiète. Faut juste que je me grouille en fait à déplacer les sacs. Et après, le reste est dans un kart, donc j'ai aucun problème avec le kart en fait. Pas mal d'unités là. J'ai encore mes deux sacs de soins aussi, il faut pas oublier, hein, mais liche avec les sacs de soins, il a de quoi s'amuser. Hein.
Alors, ça c'est fait. On va annuler notre futur down avant qu'elle arrive. Tout. Hop. Allez hop, il manque mon perk là. Ah, quand même. Chou. Oh là, qu'est-ce que je fais? Oh là là. Attention. Voilà. En fait, il me reste qu'à temporiser à chaque fois avec mon perk et puis voilà quoi. On va essayer de mettre un peu de la smoke aussi. Là-bas aussi en fait. Et 8, et voilà, on est bon. Oui, 15 minutes quand même, hein. C'est assez court. Hein. Mais on a été embarqué par la fin, pas mal d'ennemis à la fin, mais sinon on aurait pu mettre beaucoup moins. Quoi. Ah, j'ai eu pas mal d'ennemis au début aussi. Hein. Oui, toi, c'est vrai que moi j'ai eu une passe où j'ai eu aucun ennemi en fait, quasiment qui m'a rejoint. Quoi. Après, tant mieux, parce que ce que j'ai pas pu faire en arme, t'as pu les récupérer aussi. Donc, c'est... Wow. Eh oui, bien réalisé.